Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Wild at Heart. On a appris des choses sur l'histoire de notre ordre de Vergarde, sur la sorcière verte qui nous aurait visiblement choisi pour restaurer l'ordre de Vergarde et contrer le jamais. On va voir si on y arrive. On va voir un peu quelles sont nos quêtes, quelles sont nos possibilités. Et on va voir ça tout de suite en jeu. Donc j'ai dormi du coup parce que la nuit tombait comme ça et bien tout simplement ma santé est remontée et bien vu que la nuit tombait de toute façon il fallait mieux dormir. Enfin j'aurais pu crafter hein, vu qu'on est à l'abri au camp. On peut peut-être fabriquer des choses. De la camelote, de la camelote. Et de la camelote, pas plus intéressant. Tonique nauséabond, non merci. Du jus de pomme pomme, j'ai pas bu les miens encore parce que voilà. Ouais, dans les recettes, ouais, c'est. Oh fichou, on va voir si on peut avoir d'autres matériaux pour faire quelque chose. On va surtout récupérer des farfelins. On a toujours notre limite à 15. On prend 15. Et on est parti. On avait sauvé un chat. Hein, donc on a vu qu'il y avait des endroits cachés qu'on pouvait découvrir. Donc on va essayer de faire attention à ces objets cachés. On sait aussi qu'il nous faut la caravane. Caravane qu'on a vue et que je ne sais absolument pas comment récupérer, mais on sait qu'il nous faut cette caravane. Peut-être qu'on n'est pas encore assez fort. Donc, tout à repopper, hein, je ne vais pas forcément trop m'attarder à relooter plein de trucs. Si on n'est jamais contre des ressources. On a bien vu qu'on était assez vite plein. Tout n'a pas repopé. Vous voyez ici, on avait pillé la caisse et la caisse est toujours vide. C'est parfait. Et le monstre n'a pas l'air d'avoir repopé. Par contre, comment j'atteins cette caravane? Ouais, voilà, ça pique. Peut-être qu'on aura des farfelins qui vont nous permettre de faire ça. D'autres types. Alors, on a vu le crapaud, hein, on va essayer de faire gaffe, on va déjà explorer un peu par là. On va peut-être aussi regarder notre map pour voir exactement où il faut qu'on aille. Ici, il y a des poubelles, donc on va récupérer un peu de loot. Il en faut 20, je veux pas 20, donc ça sert à rien que je mette mes bonhommes là. Et on a cette cochonnerie de crapaud. Oui, je le vois, le crapaud. Oh, on a un farfelin de feu, visiblement. Ah, oui, je veux le farfelin. On va devoir se cagasser le crapaud. Allez, crapaud. Je te mets tout le monde dessus. Je mets mes petites pattes aussi. Allez, on perd pas les farfelins. On bute ce crapaud, vos clôtes arrivent. J'ai perdu un petit cœur. Enfin, demi-cœur, ça va encore. Et on a buté ce crapaud. Et de 1. On va se faire les poubelles. Normalement, j'ai de la... J'ai pas de place. J'ai pas vidé mon inventaire. Ah oui, c'est un peu con, ça. Parce que c'est pas le moment d'avoir un farfelin qui glande. Si on a un crapaud à se faire. Pouvoir bouffer un truc. Ça aide un peu. Ouais, je vais pouvoir manger un truc. Pour... Trop loin. Pas sauter, attention. Voilà. Je vais profiter pour manger un truc. 3 cœurs, c'est un peu trop. Tonique, non merci.
Et en fait, ouais, je suis plein. Alors ça, c'était vraiment pas la chose à faire. De pas vider mon inventaire avant de partir. Je crois que c'était la chose la plus débile du monde. Alors j'aimerais bien voir ce coffre. Ah, on peut y aller à pied. Bizarre, je peux même pas le toucher. Ma main passe carrément à travers. Mais vous, pouvez-vous le toucher? Non, vous non plus. J'ai récupéré des pommes. Je vais peut-être manger les pommes quand même. Les pommes-pommes. Ouais, j'ai mangé deux pommes-pommes. On va peut-être pas trop faire le malin. Voilà, ouais, parce que notre sac est plein et on va du coup passer notre temps à être... Viens avec nous, toi. Il faut 5. Quand même 5. Parfait, les gars. Il continue de s'enfuir et plus le temps passe, plus je m'éloigne de mon carton. Attention aux saletés. Aucun risque pour les humains, mais fatal pour les farfelins. Ah oui. Fatal pour les farfelins, carrément. Ici, je pourrais passer, c'est que 15, j'ai 15 orphelins, sauf qu'ils sont tous en train de balader mes affaires, donc ça marche pas. Et du coup, j'en ai pas 15 disponibles. Ah, un blob. On va devoir se faire le blob. Et vu qu'on est un peu plein, je suis pas très optimiste. Je vais peut-être aller au camp, me vider quand même, hein, du coup. Mon bête. Le camp est encore pas trop loin. Je vais me vider, ils vont se vider, tout le monde va être content. Mais il va vraiment falloir qu'on augmente notre inventaire. On stocke ça, on stocke ça. Le tonique nauséabond pour l'instant, je pense que je vais pas l'utiliser. Le jus de pompon non plus. Voilà, je m'allège au maximum. Et on est reparti. Du coup, il va y avoir des choses qui vont repopper. Mais on va pas traîner. On va aller affronter notre gluant. Et oui, effectivement, du coup, il y a ce coffre-là qu'il va falloir gérer aussi. Qu'on voit, mais qu'on peut pas utiliser. Allez, c'est parti, il va nous en bouffer quelques-uns en plus. Allez, on donne des coups de pied, on s'éloigne. Oh, c'est parfait. Oh, pas mal. On va gérer ça. Vous gérez pas l'autre, s'il vous plaît. Merci. Hop. Allez, on gère ce bloc. Il nous en a bouffé un. Attention. C'est bon, il les a recrachés. Alors ça, normalement, voilà, ils savent gérer. Des petits champis, c'est parfait. Alors, il va où ce bois? J'avais pas vu un truc de créature. Tu fais quoi, mon gars? Alors. Ok, il y a un... Il y a un pont par ici. Je voudrais juste trouver l'autre moitié. Et ici, il faut 35. Donc, techniquement, on va trouver l'autre moitié, c'est là, je pense. Ah, putain. C'est ça, du coup. Moi, je peux pas y accéder. C'est bon, on n'a pas perdu, tout va bien. Thank you.
récupère les petites billes brillantes. Qu'est-ce qu'on a? On a des... Vous glandez les gars. Parfait, un petit peu ici. Ok, donc ici on arrive sur la zone gelée où il y avait soi-disant les jumeaux. J'aimerais quand même... Je pense que je vais faire demi-tour. Pour essayer... Ah, un TP. On va débloquer le téléporteur. Voilà, c'est quand même cool. Téléporteur qui me permettra de nous TP. Ça, c'est utile. Mais du coup, c'est pas forcément par là que je voulais aller. On va essayer de poursuivre le petit farfelin qui avait l'air d'être du feu, qui pourrait peut-être nous être utile. Ils sont deux, ils sont là. Ça a l'air d'être cassé par ici, il a l'air d'avoir un chat en plus. Par contre, c'est toxique pour les farfelins, donc comment j'y vais? Sans doute comme ça du coup. Je peux vous mettre les gars? Oh, non, je peux pas, parce qu'il y en a un qui... Ouais, vous êtes en danger, la nuit va bientôt tomber. Ah oui, putain, j'ai pas fait gaffe. La nuit est mauvaise. Rendez-vous vite au camp le plus proche ou retournez au bosquet. Si vous vous retrouvez dans le noir, je vous conseille de chercher des poches de lumière. Les guettes jamais ne supportent pas ça. Effectivement, on va tout de suite, du coup, prendre le TP qu'on a trouvé. La nuit est mauvaise, on va éviter les conneries. On peut peut-être se permettre de faire ça avant de partir. Pas très loin du TP, donc débloquer des choses pendant qu'on y est. Il se casse. Il me dit que je suis en danger. Je pense qu'il me redit. Apparemment, ce rocher est fissuré. Peut-être que vous pourrez fabriquer quelque chose d'explosif au camp pour le dégager. D'accord. Donc on va se TP au bosquet, tout simplement. Je me TP parce que c'est la nuit et que on est un peu en danger. Vous voyez, le temps passe assez vite et en plus, quand il faut se mettre en sécurité pour la nuit, ça devient assez vite compliqué. J'aurais vraiment adoré récupérer ces petites... ces petits farfelins. On va voir si on peut y arriver au prochain coup. Du miel de Bai Bai. Un miel épais et délicieux, prélevé directement dans une ruche de Bai Bai. Bah cool. Ça c'est cool. Je peux faire un truc avec mes... Du sandwich aux champignons. C'est plutôt cool, effectivement. Je peux faire quoi? Non, je fais pas du tonic. Du tonic, nous avons, hein, je voulais désactiver. Ah oui, je suis côté recette. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire de la camelote recyclée. Ouais. L'objet a été déposé dans le carton, bah c'est objectif. Ouais, le tonifiant nauséabond, ça me plaît pas des masses. Il manque quelque chose visiblement pour ça. Donc le champs, je peux faire une lampe de fortune. Voilà, ça peut être utile effectivement. L'objet a été déposé dans le carton. Du coup, bah non. Tiens, ça restaure un cœur vert et un cœur rouge. Il
Effectivement. Ouh là là, ouais. Alors le miel, le bay-bay, j'ai pas 5 coeurs, pas encore, donc ça les... Et ça, je peux mettre ça, et ça, je peux mettre ça. Faut qu'on aille regarder, parce qu'on a pas du tout regardé la boutique. D'ailleurs, j'aurais pu grimper, plutôt que faire tout le tour. Après, c'est la nuit, est-ce qu'il fait bien vouloir? Si vous tombez sur un gros chaudron quelque part dans les boissons, vous pourriez le ramener au bosquet. J'aimerais bien. On peut lui acheter des pommes et c'est tout. Ok, je peux vendre? Je peux même pas vendre. Ok. L'intérêt, pour l'instant, est assez ridicule. Hop. C'est pareil, est-ce que je peux... Est-ce qu'il fait des... Non. Tant qu'on n'a pas trouvé sa caravane, on peut rien faire. J'ai mis tout ce que je pouvais. On va voir ce que ce sandwich aux champignons nous fait. Peut-être poser des pommes. Comme ça, si on les foule, ça le fera. Et on va aller dormir. On se retépera. Du coup, la prochaine fois, je veux dormir. Je sauvegarde. Et on va essayer de choper ces petits farfelins de feu. Ça m'avait l'air prometteur. J'oublie pas de prendre mes farfelins, ce serait dommage. Hop. D'ailleurs ici il me faut quoi? Il me faut une coquille spirituelle, j'ai cru l'apercevoir, on va essayer de la choper aussi. Du coup bah, je veux aller aux boissons du centre, écoute mon gars. On se TP avec nos petits farfelins. Ce serait cool aussi de trouver des cœurs pour augmenter notre limite, puisqu'on voit qu'on a des objets qui nous soignent de 5 cœurs alors qu'on en a toujours que 3. Donc il doit y avoir moyen d'augmenter cette limite. Donc on va repartir par là. Je pense que pour l'instant, sans les farfelins de feu, c'est pas la meilleure idée d'aller dans le froid. Je pense qu'on va vite subir une déconvenue, une déculottée assez monstrueuse. Voilà, qu'il nous fallait 15 farfelins. On fait ça vite fait, les gars. Je récupère ça et on retourne par ici. Donc c'est parfait, il faut 15 farfelins. J'en ai 15. Allez, tout le monde y va. Vous me bougez ce rocher. Merci les gars. Ok, il n'y a rien d'autre. Alors, vous avez apparemment trouvé un des équipements que nous avons perdu provenant de nombreuses installations inopérantes du bosquet. Cela nous peut... Cela peut nous aider à restaurer certaines des nombreuses commodités qu'offre notre campement. Voyez si vos compagnons peuvent vous aider à la récupérer, voulez-vous? Ok, donc on n'a pas eu ce genre de cinématique avec la... Avec la... Caravane. Donc il faut effectivement qu'on libère cette caravane pour y arriver. Là, par contre, s'ils y vont à pied à cette vitesse-là, on va y passer la journée, en fait. Pas forcément très grave. Mais moi, je voulais récupérer les petits farfelins de feu. Ouais, on va vraiment y aller à cette vitesse-là. Je vais peut-être les laisser faire. Continuer d'explorer avec mes 5. Voir un peu ce que je peux obtenir. Donc là, il y a une zone cachée. Et visiblement, une épée. Est-ce qu'on peut choper cette épée? Je vais les mettre en carton. Ah, il m'en faut 5. J'en ai pile poil 5.
Et il la ramène au campement aussi, ok. Je vais revenir, je vais les suivre parce que pour le coup... Voilà, ceux-là se TP avec la coquille. Non, il TP juste la coquille. Alors, nous venons de recevoir la coquille spirituelle, merveilleux. Quand vous pourrez retourner au bosquet pour que nous puissions commencer les réparations. Ok, ils ont quand même besoin de moi. Bon, bah, du coup, je vais suivre. Ou alors, peut-être aller... Je vais peut-être aller péter les poubelles. Je me déplace quand même plus vite que les farfelins qui portent des trucs. Donc, je peux peut-être quand même péter des poubelles. Il semblait avoir vu un chat aussi. Je l'ai pas vu là. Je récupère tout ça. Je récupère tout ça. On va se débrouiller très bien sans nous. Il y a un coffre. Donc on a de la sève. Il me semblait avoir vu un chat. Je ne vois pas. Il n'y a pas d'autres objets cachés. Donc... Il devait être un peu plus haut le chat. Du coup, ça y est, ils ont ramené l'épée. C'est parfait. On va les suivre. Et du coup, Grimanteau nous dit... Non, c'est de ferraille. Je viens de recevoir la relique que vous avez envoyée. Nous n'avons pas encore d'endroit à l'exposer. Ne vous inquiétez pas, je le mets en lieu sûr en attendant l'ouverture de la bonne trouvaille. Revenez me voir quand vous aurez trouvé une structure convenable pour le musée. La bonne trouvaille va bientôt reprendre du service. Je vais récupérer mes copains déjà, puisque tout seul je suis un peu inutile. On ira au bosquet quand on aura besoin d'aller au bosquet, je pense. Ce sera plus simple. Voilà. Pour l'instant, on est encore sur la matinée, le soleil se lève, donc je vais essayer d'en profiter au maximum. J'ai l'impression d'avoir laissé une petite graine là, j'ai laissé une petite graine. Le chat, je l'ai vu par où? Le chat, je l'ai vu là. Comment je vais là? On a dit que c'était dangereux pour les farfelins. Effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir de moyens. Faut pas me casser ce bois, je pense pas. Non, faut pas. Je vois pas de liane. Quelle grimper. Et si je grimpe par là, on a dit que là c'était cassé. Je voudrais réussir à aller par là. Qu'est-ce que me dit ma carte? Me dit pas grand chose. Et en même temps, on a dit aucun danger pour les humains. Je peux peut-être dire aux humains. Non, je peux pas leur dire retourner au carton parce que si j'y vais. Bah oui. Oui, voilà. Vous. Oui, c'est dangereux pour vous. Mais je peux pas forcément vous envoyer. Parce que moi, j'irai bien. Peut-être que je peux traverser, moi. Ah oui, je peux traverser, moi, sans eux. Je peux traverser, moi, sans eux. Donc, je dois pouvoir. On va faire attention à pas avancer. Oh là là! Grimanteau à l'aide, je les ai tués, je suis un monstre. Bah oui. Calmez-vous, vos enfants. Ils ne sont pas morts, du moins, pas comme vous le pensez. Pas comme vous ou moi pourriez périr. Leur esprit est simplement retourné à la forêt. Mais je les ai vus exploser. C'est comme ça que ça se passe dans les bois sombres. Peut-être avez-vous vu des pépins de farfelins de vos explorations? Ils ressemblent à des graines et poussent dans les calebasses colorées que l'on trouve dans notre forêt. Si vous récupérez des pépins et que vous rejoignez le prix spirituel le plus proche, vous devriez pouvoir les faire éclore sous leur forme de farfelin. Un puits spirituel? C'est l'espèce de tronc d'arbre bleu qui brille dans le camp, c'est ça?
Oui, l'espèce d'artron bleu qui brille, en effet. Vous savez manier les mots, jeune maître. Allez-vous-en maintenant et soyez sans crainte, vous n'avez fait aucun mal à nos amis de la forêt. Mais n'oubliez pas, trouvez des pépins, apportez-les un puits spirituel, puis faites éclore les farfelus. C'est un peu ce que je craignais, ça demande beaucoup de précision. Je suis pas très doué avec la précision. Voilà, crotte. Et surtout, faut qu'il soit à côté de moi. Peut-être qu'il arrive comme ça. Non. Pinaise. J'en ai tué quand même 4. J'en ai tué 5. Mais tant pis pour moi. C'est vraiment pas fastoche. Je vois juste qu'ils traversent. Ah, et en plus, je peux pas monter avec eux pour les reprendre. Mais je peux peut-être faire ça. Voilà, je peux faire ça. J'en ai que 6. Pourquoi j'en ai plus que 6? Bah oui, pourquoi j'en ai plus que 6? Elles sont là, les 4 autres. Non mais, t'as avancé tout seul, gros con! Ah oui, non mais si en plus vous avancez tout seul comme des gros plots, là j'en ai perdu 2 par leur faute. Voilà. Ouais, j'en ai plus que 8, c'est pas glorieux du tout, hein, j'en avais 15. Je vais faire le calcul. Coucou le chat. Au revoir le chat. Récupérer nos farfelins. J'ai un peu de place dans mon inventaire, je prends. Quand même pratique aussi pour moi. Donc pour 4 farfelins. Voilà, 4 farfelins. J'ai de la chance qu'il m'en reste. 6. Ils sont passés où mes 2 derniers? Parce que j'en ai que 6 là. Ils sont où mes 8? J'en ai là. Ah. Donc on a réparé ici. Et on va pouvoir repartir. Est-ce que je peux les lancer par là? Je pense pas. Je peux peut-être les lancer par là. Non. Ça m'arrangerait, mais visiblement non. On va devoir faire la même manœuvre dans l'autre sens. J'aurais peut-être pas dû y aller avec eux. Ça allez où mes gars? Hop. Hop. Et doucement. Voilà. Et je récupère tout ce petit monde. Comme ça. C'était un peu dangereux et on a un peu perdu du monde. Mais du coup, on découvre des brésolins. Imprégnés de feu, les brésolins font d'excellents combattants et sont immunisés aux chaleurs extrêmes. Ils sont également capables de déclencher un feu quand ils sont lancés en grande groupe sur les ronces sèches. Ah ouais, et en plus, on a gagné plus 5 de capacité de farfelin. Ah, c'est plutôt cool. Donc on va attraper 2 farfelins. Alors par contre... La nuit descend déjà. Il en faudrait 3. Est-ce que ceux-là sont... Oui, voilà. C'est ce que je craignais. Il m'en faut un troisième. On va peut-être obtenir des choses de... On va faire ça comme ça. Pas de pitié. La nuit commence à tomber. On va voir ce qu'on peut faire.
ramasser des ressources. Sur 10, j'en ai tué un, c'est ça que vous me dites? Encore? Non, t'es là, mon gars. Ouais, c'était surtout changer de type que je voulais. C'est pas cette action là? C'est vrai que c'était celui-là. Ah, peut-être quand je me. Je peux faire ça. Je vais surtout. Je vais surtout ça woot. Oh là là. Oh là là. J'ai été un peu complètement imprudente. On va courir. On va courir. Et on va se téléporter tout de suite maintenant. On a failli frôler la catastrophe. Voilà. On a récupéré le chat. Le chat est là. Coucou le chat. Et du coup, normalement, maintenant, je peux choisir... Alors, comment je choisis? Ok, j'ai pas de braise... De pépins pour Breslin, donc je peux pas en faire éclore. Mais on va déjà s'avancer. Alors j'ai récupéré un autre chat. Tu me donnes un autre cadeau? Ouais, tu me donnes de nouveau des petites bulles. C'est parfait. Je fais celle-là, mais qui vient pas. Et la coquille, il la fallait pour je sais plus où. Alors je sais plus où du tout. Ah, c'est la vieille caravane qu'il fallait. Là c'est le chaudron qu'il faut. Peut-être pour là. Non, la roue à eau. Peut-être là. La coquille. On va pouvoir construire un foyer de farfelins. Et on va s'arrêter là. Ok, ça augmente la capacité des farfelins à l'extérieur de 5. Elitir nous a laissé un petit message. Les êtres vivants ont besoin d'espace. Est-ce que vous aimeriez vous retrouver à l'étroit dans un endroit comprimé? Donner au bébé de la forêt plus d'espace. Ok, et du coup, je peux obtenir des pépins, c'est ça que vous me dites? Je peux payer pour obtenir des pépins. Ok, je peux payer pour rénover, je peux payer pour... Ça pourrait être intéressant, j'aimerais bien avoir quelques... comme ça. Comme quelques Breslins, mais on va surtout, eh bien, s'arrêter là, puisque l'épisode est déjà très long. Voir ce qu'on peut faire avec nos Breslins la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce ou à nous rejoindre sur Discord pour papoter. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!